Bonjour mes petites balances. Voilà, alors c'est votre tirage pour le mois donc de février, mars et avril. Je suis désolée si peut-être l'éclairage n'est pas bon. C'est un tirage que je fais et il est 7h du matin. Voilà, donc le jour ne s'est pas encore levé. Et voilà, mais ce qui est essentiel, c'est quand même les messages que je dois vous délivrer. Pour donc ces mois. Donc là, les guides m'ont demandé de vous faire donc un tirage pour les 3 mois qui arrivent. Alors, tout d'abord, pour le mois, donc on va s'attaquer maintenant sur le mois de février pour vous Balance. Alors, bien sûr, ça ne résonnera pas pour tous les Balances. C'est votre signe, on va dire lunaire, solaire, votre ascendant ou effectivement ça peut être le signe de la personne avec à laquelle vous pensez. Si ce tirage ne résonne pas, regardez votre ascendant pour que ça se rejoigne ou que ça se recoupe. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on me dit pour le mois de février pour vous? Alors pour le mois de février, si je regarde le message, je ne sais pas si vous voyez bien, donc il y a marqué amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc, sur ce mois de février, on est effectivement dans un tissu, on va dire, sentimental. Donc, ce qui signifie que quand même, il y a la rencontre. Hein, ça signifie aussi que c'est l'affectif, que c'est la famille, que c'est les amis. Mais en attendant, on va dire l'amour réussit quand même à des fois, comment je dis, à traverser et à monter les plus grosses montagnes. Voilà. Voilà. Donc, si on est persévérant, on peut arriver à quelque chose. Donc, le message, c'était, je ne sais pas si on le voit bien, amour. Voilà. Et c'est ce message qui va donc être le guide de cette... de vos messages pour ce mois de février. Si je regarde Ganesh vous donne 4 messages ce mois-ci. Voilà, je ne sais pas si on le voit bien. Voilà, alors le message de ce mois-ci, c'est prendre soin. Alors, prendre soin de vous, on va dire, ça veut dire, ça signifie tout simplement que vous allez vous concentrer. Vous voyez, donc je vais mettre la carte comme ça pour la voir mieux. Voilà, ça veut dire surtout que vous allez vous concentrer sur une vie peut-être beaucoup plus calme et peut-être beaucoup plus équilibrée aussi. Donc, Ganesh vous demande quand même d'avoir une attitude beaucoup plus attentionnée, hein, puisqu'on a vu qu'on était dans l'amour. Donc, beaucoup plus attentionnée, beaucoup plus réaliste aussi. Pour moi, on va travailler aussi avec les autres, voilà, mais on ne fait pas non plus n'importe quoi. Voilà, donc pour moi, on dit qu'il serait quand même utile de développer, on va dire, un côté pratique sur ce mois de février. On vous demande aussi de freiner un peu vos ardeurs afin d'attendre peut-être le meilleur moment pour être dans l'action. Donc, vous freinez un petit peu sur ce mois de février et il faut ralentir. On vous dit de traiter forcément les problèmes un par un et de réfléchir justement à cette facilité que vous pouvez avoir sur ce mois de février. On dit qu'il faut quand même que peut-être c'est un mois où vous risquez de vous sentir les balances fatiguées. On est fatigué, on est épuisé et on dit qu'il va falloir effectivement freiner avant que vous tombiez forcément malade. Donc, on va dire qu'il faut arrêter d'en faire effectivement autant peut-être pour les autres et pendant un temps, prenez d'abord soin de vous. Voilà, parce que ben, vous allez recevoir forcément en échange. On dit donc de vraiment prendre soin de vous, voilà. Pour moi, il faut cultiver toutes les occasions que vous pouvez être dans la méditation aussi.
On dit que les choses s'alignent pour vous. Et donc pour moi, on dit que, vous voyez, on dit qu'il y a une figure féminine dans votre entourage qui est quand même importante et qui vient vous soutenir. Donc vous voyez, c'est la maman et son enfant. Donc en tout cas, ça peut être une amie, ça peut être une mère, ça peut être effectivement votre compagne. Mais pour moi, c'est une personne qui a quand même une influence, a quand même forte sur votre vie et qui a un caractère quand même positif. Voilà. Mais pour moi, en tout cas, vous voyez, il y a le regard sur la personne, il y a un côté bienveillant. Donc, on dirait que quand même, vous prenez soin des autres, mais avant tout, maintenant, il faut penser à prendre soin de soi. Voilà. L'autre message sur ce mois, donc, de février, c'est le message, il y a marqué innocence. Voilà, alors l'innocence, comme son nom l'indique, c'est un moment quand même, c'est des gestes d'amour, c'est le respect, voilà, c'est la légèreté, c'est la tranquillité, c'est la douceur, c'est les opportunités de pouvoir vous libérer aussi de tout ce qui vous a été difficile jusqu'à présent. Voilà. On dit que c'est l'occasion pour vous, peut-être, d'avoir une situation beaucoup plus calme. Donc, vous voyez, ça vient quand même prendre ça. On prend soin de soi, on revient dans le calme. Pour moi, on dit que vous vous libérez aussi de ce qui a été pesant pour vous. Voilà, donc on prend les choses un peu peut-être beaucoup plus au sérieux et peut-être notamment peut-être par rapport à votre santé. Voilà, et quand je parle de santé, eh bien derrière, Ganesh vous parle de guérison. Voilà, on parle de guérison. Donc il y a quelque chose qui vous a fait ou qui vous fera mal sur ce mois de février auquel vous devez prendre quand même attention. Et voilà. Donc pour moi, alors, on dit que là, la guérison viendra de personnes qui ont du magnétisme. Donc, je pense que ça viendra par des magnétiseurs, des radiesthésistes, des gens qui utilisent leurs mains pour guérir un peu vos maux. Donc, pour moi, on dit que peut-être vous avez besoin de retrouver la connexion intérieure avec vous aussi. Donc il y a une certaine notion aussi de se guérir peut-être des choses qu'on a faites et qu'on doit en prendre la responsabilité. On dit que vous êtes capable d'affronter certaines choses aussi au niveau relationnel. Voilà, ça c'était donc on essaye effectivement de passer à autre chose, mais voilà, de prendre soin dans la guérison. Le dernier message, c'est la persévérance. Donc, Ganesh, quand même, par rapport à cette lame, vous invite effectivement à aller plus loin dans vos désirs. Donc, pour moi, là, il y a un côté aussi, alors, je ne sais pas si vous avez fait le chèque d'abondance, là, de la nouvelle lune, qui était quand même, qui est toujours hier, hein, hier 11 février. Voilà. Donc pour moi, il y a une, vous allez toucher une récompense. Donc pour moi, si vous arrivez à vous avez fait des demandes, vous aurez forcément un retour qui sera positif. Donc pour moi là, votre travail a donné donc des choses positives. Donc il y a peu de, alors soit vous avez une signature de contrat, soit effectivement il y a de l'argent, soit effectivement peut-être une demande en mariage au niveau de l'affectif. Mais en attendant, les choses sont d'une façon positive pour vous. D'accord? Donc pour moi, on dit que peut-être que votre travail a été une source de complications ces derniers mois, mais pour moi, il y a quelque chose qui va se terminer, c'est-à-dire peut-être il y a de l'argent. Donc vous avez quand même beaucoup beaucoup travaillé et les efforts vont enfin payer. Voilà. Donc il y a quand même un soutien dans votre travail jusqu'à présent
Et pour moi, il y a quand même, vous allez tout avoir des satisfactions. Alors peut-être il y a une prime qui va vous tomber au niveau financier. Donc on dit de vous concentrer quand même sur le moment présent. Et je vous ai dit dans l'amour, dans l'affectif. Voilà, parce que c'est vrai que c'est une période difficile, mais qui prendra fin bientôt. Et voilà. Mes amis Balance, on continue donc cette guidance pour vous sur ce mois donc de février. Donc on va regarder maintenant qu'est-ce qui va vous arriver au niveau peut-être sentimental sur ce mois de février. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Allez, voilà. Alors la première lame, hop, c'est la famille. Alors la famille, c'est tout ce qui est donc le travail, peut-être le travail aussi avec des enfants, le travail aussi pour moi à l'intérieur de chez soi. Donc peut-être il y a certaines balances qui travaillent avec des familles, hein, peut-être dans une maison de retraite. En tout cas, on dit que comme on a vu précédemment, il y a l'amour de la famille. Donc là, il y a peut-être l'accueil d'un nouvel enfant sur ce mois de février. Alors, qu'est-ce qu'on m'annonce d'autre? Voilà, comme je le disais précédemment, il y a tout ce qui concerne le côté retraite, le côté repos, peut-être le chômage. Donc, pour moi, il y a peut-être des balances qui vont risquer de se reposer, de prendre des congés, ou peut-être qui sont à tiers-temps, là, sur ce mois de février, et que de toute façon, ils ne reprendront pas leur travail. Donc pour moi, alors il y a des balances qui n'arrivent pas à tenir en place à la maison non plus, hein, sur ce mois de février. Que me dit-on encore par rapport à vous? Voilà. Alors il y a certaines balances qui vont réussir. Permis de conduire, concours, partiel, signature de contrat. Et oui, c'est ça. Qui vont réussir leurs oraux. Il y a des oraux là qui arrivent pour certaines balances et ça se passe plutôt bien. Voilà. Voilà. Et puis, il y en a d'autres, balances, qui ont, on va dire, une convocation en justice. Par rapport à une question de garde, là. On me parle de garde familiale, on me parle d'examen sur les enfants, donc les enfants sont mineurs, et on me dit effectivement qu'il y a des désaccords par rapport à ça, et que c'est le juge qui va quand même déterminer ça, et vous espérez retrouver la garde peut-être de vos enfants. Voilà, et vous vous protégez par rapport à ça. Voilà. Il y a un côté argent dans la famille aussi. Donc peut-être on réclame une pension alimentaire. Et pour d'autres balances, on me parle d'héritage. Voilà. On va voir ce que me dit maintenant l'oracle. Oh, il y a tout qui vole, décidément. Allez, on va regarder qu'est-ce qu'il en est par rapport à vous. Avec donc l'oracle lumière. Allez, qu'est-ce qu'on dit par rapport à ça? Balance. BAL. Hop, c'est là. Alors, les balances. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à vous? Bon, on dit que ça concerne plutôt les hommes balance. En tout cas, il y a un homme qui arrive dans la vie. On dit, oui, là, il y a une rencontre qui se fait avec de la sexualité. Donc, pour moi, il y a une rencontre affective. On dit que c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps aussi. Donc peut-être que vous avez été des balances qui ont été dans la solitude. Voilà. Alors on dit qu'il y a certaines balances qui sont envoûtées ou emprisonnées dans la sexualité avec une personne. Désolée pour cette interruption téléphonique. Voilà. Alors vous voyez maintenant il fait beau. Et je vais pouvoir poursuivre sur la guidance au niveau de l'affectif. Alors pour moi, on disait qu'effectivement, il y a certaines balances sur ce mois de février
qui peuvent être. Alors, comment je vais dire ça? Il y a une emprise sexuelle. Il y a une emprise sexuelle dans ce couple. Et on attend peut-être d'avoir des rapports avec cette personne. Voilà. Alors, il y a certaines balances aussi. Attention, il y a le côté financier par rapport à la sexualité, hein. Donc ça, pour ceux qui veulent savoir, c'est guidance privée sur le lien qui sera en dessous la vidéo. Je ne développerai pas parce que là, on tire sur quelque chose de quand même beaucoup plus problématique. Voilà. Et si quelqu'un, une balance, s'y retrouve, vous me mettez en commentaire ou vous me contactez à MP pour avoir votre guidance privée. Voilà. Donc effectivement, pour moi, je pense qu'il y a certaines personnes très jeunes qui aiment l'argent et qui pourraient peut-être certaines balances vendre leur corps pour de l'argent. Mais je ne développerai pas là. Voilà. Donc attention à ce genre de... pour ce mois de février, pour ce genre de personnes et certaines balances. En tout cas, il y a certaines balances qui rencontreront une personne plus jeune qu'elle. Hein. Allez, quels sont les messages pour vous pour terminer ce mois de février, les balances? Alors, on dit qu'il y a de la méfiance. Hein, on dit qu'il y a de la méfiance, de la confusion. On dit d'abord, il y a de la déstabilisation par rapport aux financiers. Attention, ne pas trop dépenser de l'argent, peut-être que vous n'avez pas. Au niveau affectif, on dit qu'il y a un manque de confiance envers la personne. Et qui a peut-être de la méfiance. Voilà. En tout cas, il y a de la confusion sur cette relation au niveau affectif. Attention aux mensonges. Donc, effectivement, il y a ce côté un peu mensonger qui est là. Alors, attendez, peut-être est-ce que je peux avancer pour que... Ah non, on ne voit pas mieux. Voilà. Peut-être est-ce qu'on peut voir mieux les choses telles qu'elles se présentent. Donc, effectivement, pour moi... je dirais qu'il y a des mensonges sur la relation. Donc, on dirait qu'il y a quelqu'un qui vous aime moins que ce que vous pouvez l'aimer. Donc, attention. Ensuite, voilà. On dit qu'il n'y a plus de rapport avec cette personne. Et puis, en plus, c'est une personne qui, à mon sens, peut-être n'habite pas à côté de vous. Et donc, du coup, bah, vous méfiez pour savoir s'il n'y a pas quelqu'un d'autre. Voilà, ouais. Donc, du coup, ça crée un déséquilibre, hein, du fait que vous n'avez pas de nouvelles. Et donc, ça crée un peu une tension psychologique. Et voilà. Donc, vous avez... Donc, par contre, cette personne, vous allez la revoir. Hein. Vous allez la revoir. Voilà. Pendant les vacances, des enfants. Donc, pour moi, il y a certains couples de balance qui auront une histoire d'amour avec une personne lors d'un déplacement pour moi à l'occasion d'un voyage ou au bord de l'eau. Ça, c'était pour le message pour vous, Balance, pour ce mois donc de février. On va voir ce qu'il en est maintenant pour les messages concernant votre mois donc de mars. Est-ce que Ganesh m'a dit pour vous? Allez, on y va. On enlève tout ce qu'on doit enlever et on va savoir pour vous le mois de mars. Pour vous. Allez, alors voilà. Alors déjà, sur ce mois de mars pour vous, Balance, on dit protection, tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc là, on dit que vous êtes protégé par les anges et par vos guides. Ganesh vous dit que vous êtes dans votre quête spirituelle. Donc vraiment, vous voyez, ça va quand même avec cette notion de justement prière spirituelle, on est vraiment dans je prie et je me recentre sur moi. Donc la quête spirituelle, c'est la réalisation de votre potentiel. C'est choisir peut-être la vie sur laquelle vous êtes destiné. Donc on reprend un peu plus de force. Donc pour moi, il y a votre âme il y aura de la va vous amener vers de la découverte sur des sujets pour moi qui vous plaisent et peut-être la réalisation aussi de buts dans votre vie. Donc, vous êtes sur votre chemin. Vous allez atteindre votre potentiel aussi, j'allais dire,
holistique. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose de très significatif. Donc il y a peut-être un voyage qui vous bouleversera et qui va vous amener beaucoup plus de clarté sur votre vie. Donc on dit que vous allez quand même peut-être être dans la méditation aussi. Donc il y a ce côté méditation et on reprend un peu la vie sur soi. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on me dit aussi maintenant? Donc toujours avec l'oracle lumière. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous sur ce mois de mars? On y va. Alors pour le mois de mars, vous allez rencontrer une personne qui aura une différence d'âge de 2 ou 4 ans avec vous. On dit, comme je vous l'ai dit, que vous avez un but et vous avez les cadeaux qui descendent, qui vous sont remis. On dit que vous êtes dans la découverte, donc ça veut dire qu'il y a un projet qui s'ouvre pour vous, un projet que vous avez depuis l'été dernier ou et qui va se réaliser. Voilà. On dit que vous faites ce projet avec une personne qui est plus âgée que vous, avec une différence d'âge. Donc pour moi, il y a bien cette notion de rencontre. Voilà. Attention, on peut vous bloquer. Voilà, on dit qu'il y a des nouvelles par rapport au projet ou au contrat de travail ou même au niveau de l'argent que vous attendez depuis l'été dernier. Donc, il y a eu un moment, une demande d'argent qui a été opposée, mais que maintenant, cette réalisation d'argent vous parvient. Voilà. On dit que ça concerne le couple. Donc, il y a de l'argent dans le couple qui se réalise. Et forcément, il y aura une décision à prendre. Voilà. Et on dit que la décision va se faire très rapidement ou de se marier, effectivement, on va dire pour ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre par rapport à ça pour vous? Quels sont les messages pour ce mois de mars? Bon, il y a cette notion de loi. Alors, certaines balances peuvent acheter un bien immobilier, peut-être se pacser, contrat de mariage. Ensuite, voilà, voyez, donc c'est bien tout ce qui est contrat de mariage, tout ce qui concerne l'argent. C'est un homme qui le fera. On dit que vous avez votre don spirituel qui est en train de se grandir. Voilà. Donc, vous vous marierez sous un retard. Donc, pour moi, il y a une certaine balance. Il y a une cérémonie qui devait être prévue l'année dernière et qui se réalise là, au niveau du printemps. Voilà. Voyez? Changement d'année. Ça vous amène du baume au cœur. Il n'y a personne des peut-être. Ah, peut-être quelqu'un qui est. Qui n'entend pas vos demandes, les balances, qui est enfermé dans son coin. On dit qu'il y a des gens qui travaillent depuis chez eux, mais qui ne sont pas bien et que peut-être ils sont en arrêt maladie. Voilà. Certaines balances vont se marier avec un collègue de travail. C'est une personne qui n'habite pas à côté ou qui a de la distance pour le moment, parce qu'elle est à l'étranger, ou que peut-être elle est étrangère. Il y a un cadeau de mariage par rapport à l'âme sœur. Et on apporte des reproches. Donc pour moi, il y a une personne qui peut-être va vous faire un cadeau sur le mois de mars. Mais ce cadeau semble pas quand même très bienvenu. Je sais pas si vous le voyez. Ah, attendez, hop, je vais le déplacer comme ça. Voilà. Hop, comme ça c'est mieux pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Pour terminer ce mois de mars. De toute façon, on dit que vous êtes sous les meilleurs auspices. Balance, vous avez une protection. Donc pour moi, il y a une protection sur vous. Il y a la fidélité. Et il y a le côté encore médical. Donc pour moi, il y a une personne
qui est hospitalisé dans le secteur public. Voilà. Ouais. Il y a un côté repos par rapport à ça. Voilà. Et puis, il y a d'autres qui vont faire une grossesse au lit. Donc, c'est cette notion d'étranger. On a peur de se tromper. Il y a la réussite malgré tout. Une personne du passé qui vous revient. Et on fait la mise au point au niveau du couple. Donc, il y a un rendez-vous qui se fait. Il y a l'avion. Quelqu'un prend l'avion. Quelqu'un qui prend l'avion avec lequel vous n'avez pas eu de nouvelles depuis longtemps. Donc, visiblement, vous allez demander à une personne de venir vous voir. Cette personne, elle a des soucis d'argent et elle ne peut pas venir vous voir comme elle aimerait. Donc, elle fera un aller-retour. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'elle vous dit. Donc, ça, c'était vos messages pour le mois de mars. On va voir ce qu'il en est pour le mois d'avril, pour vous les balances. Moi, je suis... Il faut que je fasse une petite pause. Désolée. Voilà, je reprends donc la guidance de la balance troisième du mois. Donc, on a fait février, on a fait mars et là, j'attaque pour vous le mois d'avril. Alors, le mois d'avril, voyez-vous, le message du petit oracle des anges vous dit « Fais se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu et celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. » Comme on a vu sur le mois de février et de mars, on a vu qu'effectivement vous étiez dans une quête spirituelle où effectivement vous voulez retrouver votre bonheur et justement cet équilibre entre votre vie privée et votre vie professionnelle, mais aussi entre peut-être l'amant et la maîtresse ou votre bout de couple et la personne qui est cachée. Ganesh, que me dit Ganesh par rapport à vous? Bon, ben voilà, hein, je crois que c'est clair. Maintenant, on est vraiment dans le lâcher prise, donc ce qui signifierait que vous êtes vraiment dans ce côté réflexion aussi. Donc pour moi, peut-être aussi, on dit que il y a peut-être un petit sommeil difficile par rapport à ça. On vous dit que effectivement, c'est donc le moment idéal pour on va dire un peu lâcher tout quoi, hein, laisser venir les choses à vous. Donc vous avez la possibilité de vous retirer peut-être dans un environnement beaucoup plus paisible pour refaire votre plein d'énergie et de retrouver aussi votre sang-froid parce que je sens peut-être un petit énervement. Donc le chemin du milieu avec le lâcher prise vous amène à stabiliser votre énergie et de reconnaître que vous avez traversé peut-être des périodes de stress intense. Donc, il y a eu des brèves périodes de répit qui vont vous permettre d'augmenter votre niveau d'énergie et de concentration tout en apaisant votre cœur. Voilà. Donc, cela vous préparera pour peut-être un nouveau départ, quelle que soit l'importance des tâches dans lesquelles vous serez impliqué. Il est temps que vous récupérez peut-être aussi avec, comme je vous ai dit, une petite nuit de sommeil. Sauf que bon, voilà. Donc attention, cette guidance est faite pour le mois d'avril. Donc sur le mois d'avril, on vous demande de prendre du temps pour vous et que lorsque vous serez prêt, la tâche à accomplir sera toujours là. Mais vous aurez quand même une décision à prendre. Voilà, et la décision de prendre, c'est de prendre une pause qui sera quand même bien méritée. Si on regarde maintenant par rapport au petit à l'oracle lumière, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Alors l'oracle lumière, hein, voilà, on me dit qu'il y a des choses, que votre cœur effectivement est en hiver, mais on me dit aussi qu'il y a des choses de cet hiver qui vont se produire sur le mois d'avril. Vous voyez, 2 et 2 ça fait 4, le 4 c'est le mois d'avril. On dit que ça concerne une femme, donc peut-être il y a des personnes balance qui n'ont pas de nouvelles de cette personne depuis l'hiver,
parce que cette personne s'est déplacée et vous aurez donc, voyez, encore une fois, vous aurez des nouvelles à partir du mois d'avril. Donc, pour moi, il y a des choses qui arrivent. Voilà, il y a un courrier qui fait route d'une femme dont vous n'avez pas eu de nouvelles depuis ben, cet hiver. Voilà. Pour moi, il y a quelque chose qui se réalisera aussi par rapport à l'automne. Donc, il y a un projet peut-être professionnel qui était là, qui était en quête, et il y a l'argent qui rentre. Donc, pour moi, il y a de l'argent peut-être par rapport à l'activité ou au temps partiel que vous avez demandé l'argent. Voilà. On dit qu'il y a des mises à la retraite de personnes balance sur ce mois d'avril aussi. On m'annonce qu'il y a la rencontre avec la sexualité d'une personne plus âgée que vous. On dit qu'il y a de l'argent qui rentre. Donc, petit jeu au loto ou au casino, mais ça rentre. On dit, voyez, comme le lâcher prise, on vous dit d'attendre quand même aussi et de ne pas stagner. On dit qu'il y a un côté justice, donc on attend que l'argent rentre par rapport à une affaire qui est dans la loi concernant le travail. Donc peut-être il y a un licenciement qui était injustifié et vous demandez que ben, il y a de l'argent qui rentre par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, on dit que ça concernait la maladie. On dit que ça concerne aussi le fait qu'il y ait eu des parents à charge, là, hein, on a eu des parents à charge. Voilà, par rapport à ça. Donc, hop là, qu'est-ce qu'on me dit pour le mois d'avril? Bon, ben, le mois d'avril, hein, on parle bien de séparation. Donc, on se sépare de ce qui nous a posé problème. Voilà. Et qui vous a instabilisé. Donc, vous voyez, encore une fois, l'instabilité, ça va avec le chemin du milieu. Il faut que vous trouviez vraiment votre stabilité, les balances sur ce mois d'avril et que vous alliez de l'avant. Voyez, on vous demande d'aller quand même de l'avant. Et il y a une situation sur laquelle qui doit se terminer de toute façon. Bon, désolée pour cette interruption. Je continue pour vous balance sur le mois d'avril. Alors, comme on a vu, il y avait une période quand même où vous devez prendre des décisions et que ça s'arrête parce que jusqu'à présent, il y avait ce côté un peu je suis au milieu. Alors, on dit qu'effectivement, le chemin a été quand même long pour vous. Pour moi, administrativement, il y a eu quand même quelques soucis. Il n'y a pas eu l'évolution sentimentale espérée. Et c'est vrai que ça a gêné pour vous. Peut-être ben, le fameux lâcher prise hein, qu'on a vu en début pour vous sur le mois d'avril. Donc je pense qu'il y a des choses qui font quand même avancer. On en a, voyez, on en a, comme on dit, on est dans la pénitence. Peut-être qu'on en a assez aussi d'en prendre plein le dos. En fait, peut-être qu'on en a assez de se montrer derrière un masque. Donc on dit qu'il y a une relation quand même qui a été cachée. On dit aussi qu'il y a une relation qui se fait par écran interposé. On dit qu'il est temps que le masque tombe. Donc, ça veut dire que devant les personnes, vous pensez que vous allez bien. Donc, on fait l'idée d'illusion. Hein. Mais en fait, ce sont des faux-semblants parce qu'en fait, au fond de vous, vous n'allez pas du tout. Donc, il y a cette fameuse inertie. Il y a peut-être l'envie aussi de changer les choses. Il y a peut-être l'envie aussi de déménagement. Mais maintenant, on vous dit clairement que c'est fini, qu'il faut passer à autre chose. Que la cohabitation que vous avez eue jusqu'à présent doit cesser pour aller vers autre chose. Voilà. Donc, de toute façon, la communication était arrêtée à un moment donné dans votre couple. Donc, jusqu'à présent, vous êtes restés ensemble parce qu'il le fallait. Voilà. Mais maintenant, ben, on n'en peut plus. Il faut partir à autre chose. Et puis, il y a ce sentiment de solitude. On a besoin d'avoir quelqu'un à côté de soi. Donc, on a besoin d'avoir quelqu'un avec laquelle on parle depuis longtemps par texto. C'est une personne qui pourrait être du signe du scorpion, cancer ou poisson. C'est une personne un peu intelligente et on parle surtout d'un homme. Donc, il y a la rencontre pour vous, femme balance, d'un homme d'un signe du scorpion. Un homme qui est plutôt indépendant dans sa profession, donc peut-être profession libérale. Ça sera une personne qui vivra chacun de son côté. Hein. Donc il n'y aura pas de vie commune, on va dire, pour 2021, mais peut-être pour la poursuite. Pour vous, amis balance, il y a une femme bien qui arrive.
Mais c'est la femme, on va dire, avec laquelle vous avez eu déjà plusieurs échanges. Et maintenant, c'est la femme avec laquelle il faut arrêter. Voilà. Parce que c'est bon, la séduction, on arrête dans le couple. Il y a une séduction par rapport à la sexualité, mais il faut arrêter cela. Voilà. Pour d'autres balances sur le mois d'avril, hein, il y a eu effectivement des relations qui ont dû débuter. Après, on n'a plus de nouvelles parce qu'il y a eu les vacances, il y a eu le confinement. Ensuite, bon, ben, il y a l'accomplissement du couple. Mais peut-être que vous vous mentez un peu à vous-même. Voilà, il y a de la méfiance, on se ment à soi-même parce que la personne ne veut rien faire avec vous parce qu'elle est loin de vous. Voilà. Donc, on va dire que ce mois d'avril sera ben, la mise au point de vous. Ami balance sur votre vie en général et trouver encore une fois le juste milieu. Voilà. Donc on fait place au futur et on ne reste pas dans son passé et on ne vit pas avec le passé. Voilà. Hein? Voilà, qu'est-ce que je pouvais vous dire pour ce mois d'avril? Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Cette guidance concerne donc février, mars et avril. Vous avez donc tout, on va dire, les liens se trouvent en dessous la vidéo. Voilà. Et vous savez que vous pouvez me suivre sur mon groupe Sophie Medium. Voilà. Sinon, ben, vous suivez le lien et vous arriverez directement sur ma page. Voilà, je vous fais de gros poutous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir et merci de m'avoir suivi. Au revoir.